Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir regardé ces petites vidéos de la rentrée littéraire, de la présentation de la rentrée littéraire Albin Michel, eh bien je vais vous en parler un petit peu plus parce que les livres ils sont là, à côté de moi. Ils sont lourds, c'est super lourd pour les ramener à la maison. J'ai un petit carnet de chez Albin Michel. Voilà, c'était installé sur nos chaises. On avait également un stylo. Ce qui m'a permis d'écrire des pages et des pages et des pages, voilà, pendant la présentation. Parce que j'avais très envie de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vous présentais un peu les livres. Alors, c'est une présentation de livres que je n'ai pas lus. Donc, quand je vous dis ça parle de ça, ça parle de ça, c'est parce qu'en fait, l'auteur l'a dit ou l'intervieweur l'a dit et l'auteur n'a pas démenti. Donc, voilà, ça, ayez conscience que je ne les ai pas lus et que je compte en lire certains, enfin tous si possible, mais en tout cas rapidement pour la sortie de la rentrée littéraire, oui, je compte en lire plusieurs. Il y en a beaucoup qui m'ont tapé dans l'œil. C'était un format hyper intéressant. C'est la première année où je suis invitée. L'année dernière, je ne l'étais pas, mais j'avais suivi ça sur le Facebook Live. Et je crois que l'année d'avant, ça devait être encore un peu embêtant à cause du confinement et tout. Enfin, on devait être encore un peu embêté avec le Covid, je ne sais plus. Il me semble que ça n'avait été proposé qu'en ligne. Et c'est pareil, j'avais bien aimé regarder ça. Mais c'est autre chose quand on est présent. Et du coup, je sais que le côté prendre des notes et écouter, ça m'a permis d'être totalement concentrée en fait. Parce que je prenais pas des notes quand j'étais à distance. Et là, je me suis sentie beaucoup plus concentrée sur ce qu'on me disait. Et le problème, c'est que vraiment, les auteurs font leur job, c'est-à-dire que les auteurs, ils parlent très bien de leurs livres parce que leur job, c'est de raconter des histoires et quand ils doivent raconter l'histoire qu'ils ont créée, c'est souvent magique en fait. Ça donne vraiment envie de découvrir les livres. Donc en fait, cette année, il y a vraiment beaucoup de titres qui me tentent, notamment parce que j'ai assisté à cette présentation sous ce format-là et que ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, pendant cette présentation de la rentrée littéraire, moi j'ai fait pas mal de stories que j'ai mis sur Instagram. C'est toujours présent en story à la une, mais ça permet d'avoir des stories rapides avec de quoi parle le livre rapidement. Il y a peut-être 3 phrases par story, 2-3 phrases par story, pas plus. Voilà, c'est un résumé, ça vient compléter la quatrième de couverture. J'ai fait ça parce que déjà j'avais envie de partager ça avec vous en même temps, hein, donc c'est pour ça que j'ai fait ça en live, mais en fait c'est un format qui m'aurait plu les autres années, voilà. Donc si vous êtes comme moi et si ça a pu vous plaire, voilà, là je vais peut-être parler un petit peu plus que ce que je vous ai dit en story, mais voilà, sachez qu'il y a ça. Et donc là c'est pour moi, c'est assez ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir expliquer un petit peu plus en détail ce qui a pu m'attirer en fait dans certains livres. Et puis après on verra, je lirai et je verrai ce que j'en ai pensé. Mais c'est vrai que autant l'année dernière, alors l'année d'avant j'en avais lu plusieurs et j'avais vraiment eu des coups de cœur. Hein. Oh, il y avait celui de Michael Christie, Lorsque le dernier arbre, qui était vraiment mon coup de cœur de l'année, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, l'année dernière j'avais un petit peu moins accroché. Mais il n'y avait pas les auteurs auxquels je m'attendais non plus, et là ça me tente vraiment beaucoup. Alors on a commencé par une petite introduction de celui qui tient la maison, Albin Michel, qui nous expliquait que c'était une rentrée littéraire importante pour Albin Michel, importante notamment en nombre, parce qu'il y a 17 livres qui vont sortir à la fin du mois d'août, et bien sûr une rentrée exceptionnelle par la qualité. Mais j'ai envie de dire, il pouvait pas faire une introduction en disant que c'était une rentrée exceptionnelle par la médiocrité, hein. Mais bon, il l'a quand même souligné, donc c'est important. Dans la salle, il y avait des libraires et il s'est notamment adressé à eux sur la mission de promouvoir le livre et en fait de se dire que ok, il y a des livres qui ont beaucoup de succès, ok, il y a des livres de très grande qualité qui n'ont pas du succès, et bien c'est une mission de chacun de faire en sorte que les livres de très bonne qualité aient aussi du succès.
sans dire que ceux qui ont du succès sont de mauvaise qualité, mais voilà, c'est si on trouve qu'on aime bien un livre, autant en parler. Voilà, donc c'était aussi un message pour les libraires, mais j'ai envie de dire que quand on est Instagrammeur ou YouTubeur, quand on aime bien un livre, on en parle, donc on participe aussi à ça. Alors, premier livre qui a été présenté, Adieu va, de Jean-Michel Guénassia. Donc ici, ce sont les épreuves non corrigées. Alors, quatrième, on ne choisit rien, on ne fait que mettre ses pas dans le chemin tracé. On accomplit toujours ce que l'on est. Et il sortira le 30 août. Mais je crois qu'ils sortent pas tous le 30 août. Je crois que certains sortent le 23 et d'autres le 30. Alors, ce livre, il fait quasiment 500 pages. Ça se passe en 1924. Cette histoire, en fait, ce qui a inspiré l'auteur, c'est qu'il a vu un reportage sur une femme, il y a quelques dizaines d'années, qui avait fait une brillante carrière scientifique et qui, au moment d'aller travailler, de trouver un job, eh bien, elle est rentrée au CNRS parce que c'était la seule possibilité en tant que femme, parce que c'était pas un endroit où les hommes allaient. Voilà. Et donc ça lui a inspiré l'un de ses personnages. Sinon, l'histoire parle de quatre copains. Quatre copains de Saint-Maur. C'est quatre copains dont les parents sont amis. Et en fait, on va les suivre pendant 40 ans. Donc on va suivre leur amitié pendant toute cette période. On traverse les époques. On va suivre leur amitié, mais également leurs amours, on peut s'en douter. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, on les suit alors qu'ils sont adolescents au début de la guerre. Et donc, c'est quand même très particulier. Si on parle de choses très récentes, on a beaucoup parlé des jeunes, de la difficulté pour les ados et jeunes adultes lors du Covid. Et là, c'est pas le Covid, c'est la guerre, la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un contexte assez particulier et c'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est pas forcément une tranche d'âge qu'on voit beaucoup. Donc on a un personnage féminin qui va devenir scientifique à une époque où c'est compliqué. Je trouve ça extrêmement intéressant. Personnellement, j'ai fait des études de maths. On était principalement des femmes pendant ces études-là. Et il y avait aussi la question de, bah, on est prof après. Habituellement, c'est plus simple pour une femme d'être prof. Voilà. Eh bien, écoutez, ça n'a pas été le cas de toutes les personnes. Et en l'occurrence, je ne suis absolument pas prof. Et pourtant, voilà, j'ai fait une carrière scientifique. Mais c'est pas du tout la même époque. Mais du coup, ça me parle beaucoup parce que c'est aussi un côté de voilà, je suis en plein, enfin je fais un travail scientifique, j'ai fait des études scientifiques et je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir se rappeler un petit peu que ça n'a pas été ce qui m'a paru si normal ne l'était pas à certaines époques. Voilà. Et il sera question du nucléaire, donc assez intéressant aussi. Voilà. Et alors, juste petit ajout, petit complément à ce que je vous ai dit. La question a été posée de pourquoi ce titre? Et donc l'auteur a répondu que c'était une expression un peu désuète, mais qu'il a beaucoup utilisée dans le livre, qui revient à plusieurs reprises. Voilà, donc Adieu va de Jean-Michel Guénassia. Alors, on poursuit avec Illuminatine de Simon Bentolila. C'est un premier auteur. Voilà, il y en a plusieurs auteurs pour qui c'est le premier livre. C'est un livre de 250 et quelques pages. Sur la quatrième, il est indiqué: L'Illuminatine produit la sensation de jouir tout à coup d'une vigilance à laquelle aucune intrigue ne résiste. Ce que l'auteur nous a dit, c'est que le narrateur, il a un diable personnel. Il est un peu psychotique et que ça s'oppose à ce qui est présent aussi dans le livre, avec un diable collectif qui se manifeste, qui prend forme par tout ce qui est complotisme. Voilà les sujets abordé. Il y a un peu des délires paranoïaques, il va y avoir aussi de la violence et plusieurs questions en fait sont posées, ou en tout cas l'auteur s'est posé quelques questions et ça peut se ressentir a priori, parce que je vous rappelle, je n'ai pas lu les livres, mais ça va se ressentir a priori dans l'histoire. Il y a notamment dans ces questions: est-ce que l'usage de la violence se justifie? Voilà, grande question. Il y a aussi une autre question qui est liée à une mise en abîme, parce qu'il y a un personnage qui écrit et qui parle des difficultés d'écrire. Et donc,
autre question, est-ce qu'on doit avoir vécu les choses pour les écrire? C'est assez intéressant, hein, enfin, et c'est des questions, j'imagine, qu'on se pose d'autant plus quand c'est son premier livre. Voilà. Alors, ce titre, Illuminatine. Alors, Illuminatine, c'est une sorte de drogue, mais on peut s'en rendre compte avec ce que je vous ai dit sur cette quatrième de couverture. Voilà, donc, complot, violence, et cette espèce de drogue. Voilà, j'espère que ce livre vous tente. En tout cas, c'était intéressant et puis voilà, c'est pas évident, c'est un exercice qui doit pas être facile du tout. On était très 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 nombreux, donc pour un premier auteur comme ça, voilà, c'est une petite épreuve, mais en tout cas, il a réussi à donner quelques éléments sur son livre qui sont assez tentants. Alors, on continue avec le livre Frère d'Alexandre Jardin. Hop, voilà. Alors, ce livre fait 164 pages. C'est un livre très personnel et Alexandre Jardin était très ému quand il en a parlé. Là, ce qui est écrit juste sur le bandeau, c'est « Ce livre est mon secret, l'obscur, le plus obscur de ma vie ». En fait, le frère, enfin l'un des frères, parce qu'il a plusieurs frères, mais l'un des frères d'Alexandre Jardin s'est suicidé. Et en fait, pour lui, c'était le moment d'en parler, en fait, parce qu'il disait qu'il avait une bonne partie de sa famille qui était décédée l'année dernière. Pourtant, son frère est décédé, je crois, il y a une trentaine d'années. Oui, bah, le 11 octobre 1993, c'est ça, le 11 octobre 1993, Emmanuel Jardin met fin à ses jours. 30 ans plus tard, Alexandre, son frère, se confronte à son fantôme et à sa culpabilité de survivant. Emmanuel, le plus inclassable et dérangeant des jardins, étourdissant de charme comme capable du pire, a laissé derrière lui un sentiment d'amertume et de honte, un secret dont son frère cadet est le seul détenteur. Il nous a raconté quelques anecdotes, mais qu'on retrouve dans le livre, qui montrent un peu le personnage qui était son frère et très particulier. Il avait une relation très particulière avec lui. Et en même temps, ce qu'il nous a dit, alors je l'ai écrit, donc je cite, « On n'est jamais assez responsable de ceux qu'on aime. » Ce qu'il a expliqué, c'est que pour lui, on est vraiment dans une époque où on déculpabilise, où on déresponsabilise. On dit tout le temps « c'est pas grave, c'est pas là, il n'y a rien qui est important. » Voilà. Et là, il se sent responsable de la disparition de son frère. Et pour lui, c'était important de pouvoir eh bien, en parler. Et important qu'on ne lui dise pas « c'est pas ta faute, t'y es pour rien ». Enfin, voilà. Vraiment très ému quand il en a parlé. Et en fait, on a eu la chance d'échanger avec lui après, lors du cocktail. C'était un moment très précieux, vraiment des moments comme... Enfin, parce qu'en plus, le lieu était magnifique, on était dehors, genre garden party, on discutait avec Alexandre Jardin de son livre. Il venait de... Enfin, c'est un livre très personnel et il a prévenu sa famille quasiment au même moment que ce qu'il a présenté à ce moment-là. Donc voilà, très, très particulier, c'est... Enfin oui, c'était assez prenant. Voilà, donc il expliquait que par ce livre, il rendait la vie à son frère, que c'était un livre dangereux, terrifiant et drôle. Il a utilisé le terme de livre sacré. Je pense que ça va être un livre vraiment prenant parce que c'est pas une fiction. Donc voilà, je pense que ça peut être assez prenant. Il me tente beaucoup, il me tente vraiment beaucoup. Pour en savoir un peu plus. Voilà. Donc, Frère d'Alexandre Jardin. Je continue avec Les amants du Lutetia d'Émilie Frèche. Donc, sur la quatrième, il est indiqué qu'il vous reste de nous notre amour infini de la vie, de sa beauté et de sa légèreté, et que du fin fond de notre sommeil éternel, vous nous entendiez rire encore, rire, chanter, danser et célébrer la vie. Nous l'avons tant aimé. C'est un livre qui a été inspiré par un fait divers qui s'est déroulé en 2013, que l'autrice a trouvé très romanesque en fait. Et donc là, on est sur une grande histoire d'amour de 70 ans. Et donc on a un couple qui décide de ne pas arriver
à des âges très avancés qui vont nécessiter beaucoup de soins par des soucis de santé et un côté aussi assisté entre guillemets et tout ça. Donc ce couple refuse ça et donc décide de se suicider. Et comme ils ont toujours vécu un peu un peu une vie théâtrale quelque part, ils mettent en scène ce suicide. Voilà, donc ils ont tout organisé. Ils ont organisé ça comme une grande fête, c'est ce que l'autrice nous expliquait. Il y a juste un souci, c'est qu'ils n'ont pas pensé à leur fille. Voilà, et donc ils avaient une fille, enfant unique, et leur fille s'est sentie privée de ce côté d'aider ses parents. Ce que l'autrice disait, c'est que en fait, dans la vie, il y a un moment donné où on est dépendant de nos parents, forcément, quand on est, etc. Et petit à petit, au cours de la vie, les choses s'inversent. Les parents deviennent dépendants de leurs enfants pour finir leur vie. Et là, cette enfant, qui est adulte à ce moment-là, mais en tout cas, en tant que fille, elle se sent dépossédée de toute cette période-là, de la possibilité d'aider ses parents, quelque part, la possibilité de rendre l'appareil. Et donc, c'est quelque chose qu'elle a du mal à accepter. Et en fait, tout au long de l'histoire, c'est grâce à son fils, donc au petit-fils du couple qui s'est suicidé, qu'elle arrivera à pardonner à ses parents. Il y a aussi beaucoup de choses autour de la maison et en fait des questions notamment que l'autrice s'est posées. En fait, on achète une maison et on se crée des souvenirs dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle devient après cette maison? Elle expliquait quand il y a plusieurs enfants et que les parents décèdent, et bien les enfants peuvent parfois se battre, se disputer pour l'avenir de cette maison, etc. Mais à la base, c'est quand même une maison pour des souvenirs. Enfin, voilà, beaucoup de questions par rapport à ça. Et apparemment, justement, la place de la maison est importante, presque comme un personnage, en fait, dans cette histoire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché avec la façon dont l'autrice a décrit son livre. Forcément, forcément. Comme je disais, c'est son métier, mais c'est vrai que c'est tellement passionnant d'écouter les auteurs parler de leurs livres. Et donc là, on est sur un livre de 300, 360 et quelques pages qui ont l'air assez pages qui ont l'air assez tentantes. Donc Les Amants du Lutetia d'Émilie Frèche. Je continue avec une autrice que vous connaissez peut-être, c'est Rosella Posterino parce qu'elle a écrit La Goûteuse d'Hitler, alors qui est un livre qui est dans ma palle que j'ai pas encore lu. En fait, ce livre a été inspiré par Les Enfants de Sarajevo. L'autrice est italienne, elle parlait français avec un accent, mais franchement, elle parlait français comme jamais je ne parlerai italien. Là, on est sur un livre de 400 et quelques pages. L'intervieweur lui demandait quel était le lien avec la goûteuse d'Hitler. Au niveau de l'histoire, il n'y en a pas trop, quelque part. Et en fait, pour elle, le point commun, c'est justement l'histoire avec un H. C'est ce côté où vraiment, elle a été très intéressée par certaines parties de l'histoire qu'elle a voulu écrire dans des livres. Donc, comme je disais, c'est les enfants de Sarajevo qui est la partie historique qui a inspiré l'autrice. Et là, on va suivre trois enfants, notamment Omar. Omar qui est dans un orphelinat et qui attend désespérément le retour de sa mère. Et on va suivre deux autres enfants qui, arrivent en Italie à cause de la guerre. Et dans les thèmes abordés, on a le côté déracinement, alors forcément, mais déchirement, avec un côté maternel très marqué. L'autrice expliquait qu'on lui avait fait remarquer qu'il n'y avait pas de mère classique dans ce livre-là. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que on nous demande tout le temps d'être des mères parfaites. Et c'est pas possible d'être une mère parfaite. Donc là, elle n'a pas décrit des mères parfaites, justement. Et elle a recueilli de très nombreux témoignages d'enfants bosniaques pour pouvoir écrire ce livre. Et quand elle a écrit la dernière partie de ce livre, Poutine venait d'envahir l'Ukraine. Donc ça a eu un écho très, très particulier. Et peut-être que ça se ressent dans son écriture, en tout cas. Voilà, donc et moi, je me contentais de t'aimer. Je pense que ça doit être un livre très émouvant. Voilà.
Donc ça, c'est un... celui-ci sortira le 23 août et donc j'ai les épreuves non corrigées. Alors ensuite, Paradise Nevada de Dario Diofebi, qui est italien mais qui parlait anglais. Moi, je pensais qu'il était américain au début. Et donc il expliquait qu'en fait il a écrit son livre mais principalement autour de la ville. C'est ça qui a été à l'origine de l'écriture de son roman. On suit apparemment quatre personnages assez originaux. On a un toiletteur pour chien, on a un joueur de poker en ligne, on a une serveuse qui aurait voulu être mannequin et une journaliste dans un journal local. Et en fait, c'est des personnages donc assez différents mais qui cherchent la même chose, c'est à atteindre le rêve américain. L'auteur expliquait qu'il y avait un peu de lui dans chacun de ces personnages, voilà. Et que, et ça je crois que c'est l'intervieweur qui l'a souligné, chaque personnage pour atteindre son but se repose sur un autre personnage, cherche de l'aide en fait. Et voilà, c'est quelque chose qui apparemment l'avait assez marqué. Donc l'auteur parlait du fait que c'était un lieu qui l'avait inspiré, mais c'est plus que le roman d'un lieu, pour lui c'est aussi le roman d'une époque, des années 2014-2015, avec le début des guerres culturelles. C'est un premier roman, j'aime beaucoup beaucoup la couverture. L'auteur était très sympathique et après, lors du cocktail, on a pu le voir et puis lui demander une petite dédicace, que voilà. J'ai sorti mon plus bel anglais pour lui demander, ça a donné. Voilà, c'est un Italien donc qui a écrit en anglais, alors a priori comme un vrai Américain. Donc, voilà, moi j'ai été bluffée sur le côté, en fait, sa façon de parler et tout. Je vous dis, moi au début, avant qu'on dise qu'il était Italien, bon ok, son nom aurait pu donner des indices, mais je pensais vraiment qu'il était Américain, mais pas du tout. Et donc dans les sujets traités, il y a aussi tout ce qui est eh bien ultra-libéralisme, société de grande consommation, etc. Donc son livre fait quasiment 650 pages et enfin moi l'histoire m'intéresse, mais cette couverture me tente beaucoup. Je l'imagine déjà en librairie, il va bien attirer le regard, je pense. Voilà, donc ça c'est Paradise Nevada de Dario Diofebi. On part aux États-Unis et tout ça raconté par un Italien. Alors, le livre suivant a été écrit par une autrice qui n'a pas pu être présente. Il s'agit de La Sentence de Louise Erdrich. J'ai bien noté hein, la prononciation, parce que moi je vous aurais dit Erdrich. Mais non, non, ils ont bien dit Erdrich. C'est pas du tout le premier roman de l'autrice. Donc moi je la connais pas, mais en tout cas elle est décrite comme étant une autrice ayant un univers vraiment bien à elle, et elle a l'habitude d'écrire plutôt sur des thèmes sur la culture amérindienne, etc. Là on suit un personnage qui sort de prison après un homicide involontaire. Le personnage s'appelle Tuki, qui est assez original, et en fait Tuki travaille par la suite dans une librairie. Cette librairie est un petit peu particulière parce qu'il y a un fantôme qui plane au rayon de la fiction. Cette librairie a le même nom que la librairie que tient l'autrice. Donc, comme je disais, elle écrit habituellement sur tout ce qui est eh bien, culture amérindienne, etc. Là, il y a plusieurs thèmes abordés. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Il y a plusieurs thèmes abordés, notamment tout ce qui était manifestation suite aux violences policières aux États-Unis, tout ce qui est mouvement Black Lives Matter et tout ça. Donc, c'est des choses qui a priori sont retranscrites dans le livre, et il y a aussi beaucoup beaucoup de choses, comme on a une librairie, et eh bien il y a dans les sujets abordés l'amour du livre, ce que les livres peuvent nous apporter, et donc ça forcément quand on aime les livres, c'est des thèmes qui peuvent tout à fait nous parler et même nous attirer. Donc voilà, en résumé, ce qui a été indiqué, que c'était un livre qui nous interrogeait sur notre rapport à la vie, au monde et aussi au livre. Donc c'est La Sentence de Louise Erdrich, qui est un livre qui fait quasiment 450 pages. Je continue avec Chaleur humaine de Serge Joncourt. Alors je vous avoue que j'ai pris peu de notes, ça m'a un petit peu moins accroché, et voilà, l'intervention était un peu moins structurée que les autres, mais voilà,
tout le monde est différent et plus ou moins structuré et organisé que d'autres. Donc c'était peut-être un auteur plus créatif, je ne sais pas. Donc en tout cas, ce que l'auteur expliquait, c'est que c'était un roman qui était là pour faire ramener tout le monde. Voilà. Il disait que des fois, les auteurs faisaient voyager leurs personnages, et lui, c'était un roman qui faisait ramener tout le monde parce qu'il se passe notamment pendant la période du Covid. Et donc, il a voulu aussi parler de comment nos vies se sont remodelées pour faire face à ce contexte particulier. Il est question de pas mal d'animaux, ce qu'on peut deviner avec cette couverture. Et ici aussi. Voilà, donc famille, là c'est mis avec chaleur humaine. Serge Joncourt nous tend un miroir vertigineux et ce faisant, il ajoute une pierre essentielle à son œuvre. Donc voilà, famille dans un contexte particulier. Voilà, je ne vous en parlerai pas plus parce que j'ai vraiment pas pris beaucoup de plus de notes que ça. Mais je vous invite à aller regarder davantage si vous pensez que ce livre peut vous plaire. On continue avec Le Pavillon des oiseaux de Clelia Renucci. Solaire, autrice solaire qui a une chaleur, une énergie communicative. Ça a été, quand elle est arrivée, ça a amené quelque chose, quoi. Enfin, ça a amené une certaine dynamique. C'était très intéressant. Moi, Clelia Renucci, je l'ai découverte il y a 2 ans avec La Fabrique des Souvenirs, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et je suis contente parce qu'en fait, j'ai changé avec elle après. Puis elle se souvenait en fait de ma chronique. Enfin, elle me demandait mon pseudo. Je dis pas Triple L de Mac. Elle me dit, mais oui, mais si. Et c'est rigolo parce que moi, son livre, enfin, même si c'était il y a 2 ans, mais je me rappelle vraiment très bien. J'ai pas lu son premier, mais il est dans ma palle. Et voilà, j'attendais en fait d'en savoir plus sur celui-ci. J'étais très contente qu'elle sorte un livre cette année. Et elle l'a extrêmement bien décrit et il me tente beaucoup. On est dans la période de la Renaissance en Italie, période que j'adore. Et en fait, Clelia Renucci nous parle de l'histoire d'une Clelia. Clelia Farnese, qui était petite fille de pape. Rien que ça. En plus, elle était également fille, bon, voilà, petite fille, on doute que l'un de ses parents était un enfant illégitime, elle-même l'était également, enfant illégitime. Pour amant, elle avait l'un des fils Médicis. Et en fait, cette histoire a été inspirée par l'autrice alors qu'elle était à Rome et qu'elle visitait la maison de Médicis et elle a vu quelque part écrit Clelia et elle s'est dit, oh, faut que j'en sache davantage sur cette personne qui a réellement existé et tout, et donc c'est voilà, c'est assez rigolo. C'était une sorte de people, cette Clelia Farnese, people de la Renaissance, avec un côté très moderne sur plusieurs sujets, notamment en amour, qui vivait un amour en trio et d'une façon tout à fait assumée et décontractée. Avec simplicité, ce que nous disait l'autrice, ce qui l'avait assez fascinée. Et en fait, elle expliquait que dans ses recherches, elle a retrouvé des avisis de l'époque. Les avisis, c'est un peu le magazine People, en fait. Elle a trouvé des avisis qui parlaient justement de Clelia et ça a été hyper intéressant. Voilà. Donc, je vous dis, ça a été une présentation tout en chaleur, qui est tout en passion. Et forcément, quand on entend un auteur passionné nous parler de son livre, eh bien, ça donne tellement envie. Donc, moi, ça va être l'un des livres que je vais lire en priorité. Peut-être pas le premier, parce qu'il y en a d'autres, là, dans ceux que je vous ai présentés, qui me tentent aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, je le lirai, ça, c'est sûr. Si c'est pas en deuxième, c'est en troisième. Et je lirai, enfin je pense qu'en fait je vais le lire en troisième, je vous dirai peut-être à la fin, mais voilà, Le Pavillon des oiseaux de Clelia Renucci. Je continue avec Les grands enfants de Régis de Samorera. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un film, créé par 2 frères dont le scénariste. Et en fait, dans ce livre, on a tous les protagonistes du film qui vont prendre la parole. On est sur 200 et quelques pages. Et en fait, quand je dis tous les protagonistes, c'est le scénariste, l'électricien, etc. C'est un livre qui se passe à Villejuif. Et en fait, ce qu'expliquait l'auteur, c'est qu'il est assez passionné, fasciné par le côté très collaboratif de la création d'un film, alors que lui, quand il écrit son livre, bah, il est tout seul.
Voilà. Et donc, il expliquait que c'était un peu deux mondes opposés, quelque part. Et donc, ça l'intéressait d'en savoir un peu plus et d'écrire sur ça. Et donc, le fameux film qui est décrit dans ce livre a un thème assez original. Donc, suite à la pandémie, donc là encore, livre un peu inspiré par le Covid, eh bien, ça implique, la pandémie implique le développement de robots. Voilà. Et donc le film est sur ça. Donc je pense que c'est un livre qui doit se lire assez vite, qui est assez tentant. Ça fera pas partie des premières lectures que j'écrirai, que je lirai, pardon. Et donc j'avais pas vu encore, mais ça, effectivement, là on voit le chargé de figuration, là la productrice, le comptable du mari de la productrice. Ça doit être assez rigolo et assez rythmé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, un livre que j'attendais, dont j'attendais la présentation, parce que je connais un petit peu l'éditrice qui m'en a parlé, c'est Le Diplôme d'Amaury Barthel. L'éditrice, c'est Lina Pinto. Voilà. Donc on a pu échanger un petit peu avec Amaury après, pendant le cocktail. Hyper intéressant. Ce livre est inspiré par le travail de l'auteur, qui est d'évaluer les grandes écoles. Voilà. Et donc en fait, il expliquait qu'en France, on avait l'habitude de nous définir par nos études, par notre diplôme, jusqu'à la fin de notre vie, hein, et c'était assez curieux de fonctionner comme ça, et qu'en plus de ça, il y avait un système un peu injuste, car les grandes écoles d'ingénieurs, etc., sont gratuites. Et à côté de ça, on a des facs qui sont vraiment sous-payés. Enfin voilà, il y a un système assez particulier. Je rejoins totalement, même si dans les universités, je trouve ça un peu différent des grandes écoles. Mais voilà, bon, je trouve effectivement, j'en aurais beaucoup, beaucoup à dire et ça me parle beaucoup. Là, donc c'est un premier roman, le premier roman d'Amaury Barthel. Et donc il est écrit sur la quatrième. Pour réparer l'injustice, a-t-on le droit à l'imposture? Le premier roman d'Amaury Barthel interroge la méritocratie et ses illusions perdues au rythme d'un suspense implacable. On a un personnage qui s'appelle Guillaume, qui est prof en banlieue. Il est frustré à plusieurs niveaux. Il a notamment son frère qui réussit très bien dans le domaine bancaire. Et en fait, il prend sa revanche sur la vie, mais a priori d'une façon lâche. A priori, l'écriture de l'auteur est assez grinçante. Voilà, donc ça fait partie de... Enfin, il y a plusieurs mots-clés. Je ne peux pas tous vous les décrire, puis je ne veux pas vous dévoiler toute ma vie non plus. Hein. On n'est pas là pour ça, puis faut garder un petit peu de secret aussi. Mais en tout cas, il y a des mots qui chez moi, font m'attirent, si vous voulez. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ce livre, qui n'est pas très long, qui fait 223 pages et qui a une couverture qui attire. Et c'est pareil, comme ce que je vous disais tout à l'heure, j'imagine bien cette couverture en librairie. Et ma copine Fanny de Lisez en moi l'a commencé elle disait qu'elle avait déjà lu pas mal de pages rapidement et que ça se lisait plutôt bien. Donc ça, c'est le deuxième livre que je lirai. Je pense que le Clélia Renchi sera le troisième et celui-ci le deuxième. Et vous vous demandez quel est le premier, mais je vous présente juste après. Alors, je poursuis avec le livre qui est numéro 1 dans les livres que j'ai envie de lire. C'est pas celui que j'ai le plus envie de lire, c'est pas celui qui me donne plus envie, mais je préfère vraiment lire les livres de leur rentrée littéraire dans cet ordre-là. J'aurais du mal à vous expliquer pourquoi. Enfin, voilà, bon, c'est un peu compliqué. Donc en tout cas, celui que je vais certainement lire en premier, c'est L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Alors, j'ai jamais lu le livre de Claire Berest. En revanche, j'ai lu un livre de sa sœur, Anne Berest, La carte postale, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Là, sur la quatrième, il est indiqué, il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme. Donc, il est question de féminicide, puisque justement, le personnage d'Étienne va tuer sa femme. On commence l'histoire un lundi, en début de semaine, avec les préoccupations très classique en fait d'Étienne, et au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure de l'avancée de la semaine, eh bien effectivement il va tuer sa femme. L'autrice s'est beaucoup documentée pour avant d'écrire ce livre, notamment alors sur un autre sujet, mais elle a lu le livre Passion simple d'Annie Ernaux, avec ce côté accompagner son personnage qui n'a pas de sens moral.
Et elle s'est aussi beaucoup documentée sur les féminicides, notamment avec des publications scientifiques. C'est vraiment très intéressant parce qu'elle a choisi un point de vue qui est particulier, qui, si vous voulez, enfin, qui va agacer, qui va titiller. C'est quand même assez, enfin, c'est quand même assez compliqué. Et c'est aussi pour ça que ça m'intrigue d'être, de suivre en fait, d'avoir pour narrateur le responsable du féminicide. Mais ce qui l'intéressait notamment, c'était de se demander pourquoi on peut se lever un matin sans savoir que d'un coup tout peut basculer. Et elle trouve, enfin, elle résumerait ses romans de cette façon-là. Voilà. Il y a aussi des questions comme est-ce qu'on peut tous être concernés par ça? Elle expliquait que les statistiques étaient globalement stables sur les féminicides ces dernières années et en général, c'est pas des gens qui sont connus pour de la violence. Là, Étienne lui-même aurait décrit son couple comme étant solide, voilà. Et en l'occurrence, Étienne n'a jamais été violent. Elle a souhaité écrire son livre à la troisième personne, mais c'est vraiment lui qu'on suit. Et comme je vous disais, on commence la semaine d'une façon quasiment classique, sauf que arrivé au jeudi, il tue sa femme de 37 coups de couteau. C'est un milieu social non défavorisé, mais ils n'ont pas, ils roulent pas non plus sur l'or, hein, voilà. Donc c'est pas, c'était aussi un souhait de pas donner l'explication de oui c'est un milieu social défavorisé, non c'est pas le cas justement. Et donc dans la construction du livre, on ne voit pas le moment du féminicide. On voit les premiers jours de la semaine, et on se retrouve aussi après pendant l'audition par l'OPJ. Et ce qu'elle a ajouté pour conclure, c'est que elle adore Verlaine et que justement dans son livre, Verlaine traverse son livre. Voilà. Donc c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, qui me questionne beaucoup. Voilà, c'est pour ça. C'est le premier que j'aimerais découvrir. C'est un livre relativement court puisqu'il fait 230 et quelques pages. Et voilà, on va donc suivre ce personnage et ça fait assez froid dans le dos. Donc, L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Ensuite, il y a Pascal Quignard qui est venu nous présenter son livre « Les heures heureuses ». Je trouve ce titre vraiment très beau. En revanche, j'ai pris très peu de notes. J'ai été un peu moins inspirée. J'ai été un peu moins emportée par ce que pouvait raconter l'auteur. C'est un, voilà, c'est un livre qui m'attire un petit peu moins que les autres. Donc dans ce livre, il va évoquer beaucoup de choses de sa vie, notamment des décisions, etc. D'une façon que l'intervieweur qualifiait d'assez apaisé. Et l'auteur a ajouté que oui, apaisé, mais aussi de façon assez mélancolique. Et c'est un livre qui est écrit avec une grande poésie, voilà, qui... Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est totalement autobiographique? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses autour du temps qui passe. Voilà. Donc, si je voulais la quatrième pour compléter un petit peu, parce que j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire. Donner une forme imprévisible à sa propre vie et s'y tenir, quelle qu'elle soit devenue, tel est le but de la scène. À l'intérieur de l'énigme de chaque vie, chacun devient alors l'indice d'une chance, d'un heure qui est comme tombé du ciel, j'ai eu l'heure de vivre. Bonne heure, bonne pioche, mal heure, malchance, mauvaise étoile. Voilà. Donc ça, c'était Les heures heureuses de Pascal Quignard. Et on a terminé forcément avec Amélie Nothomb, qui est arrivée avec sa flûte de champagne. Voilà, pour présenter son livre qui s'appelle Psychopompe. La quatrième est très courte, écrire, c'est voler, et c'est exactement ce qu'elle nous a décrit. En fait, elle nous a expliqué qu'elle a toujours pensé qu'elle était un oiseau et que malgré tout, elle a mis beaucoup de temps avant de se rendre compte que c'était une espèce qui était devenue pour elle totémique. Et donc là, ce livre est son autobiographie en tant qu'oiseau.
Et elle ne nous parlait pas de n'importe quel oiseau, elle nous a expliqué qu'elle s'identifiait à un engoulevent oreillard. Si vous allez regarder sur Google Images les photos de cette espèce, c'est très particulier, elle en avait conscience, elle nous l'a dit. Elle nous a parlé de plusieurs choses, notamment elle expliquait que quand elle écrivait, elle donnait tout. Elle écrit tous les jours. Et quand elle écrit, elle a sa température corporelle qui chute beaucoup. Elle explique ça en disant que quand elle écrit, du coup, elle s'approche énormément de la mort. Et donc voilà, ça prouve qu'elle va très loin au niveau de l'écriture, au niveau de ce qu'elle ressent, au niveau de ce qu'elle peut, écrire, etc. Pour elle, ce livre est un peu la fin d'une trilogie qu'elle a débutée avec Soif, qu'elle a continuée avec Premier Sang et qui se termine avec Psychopompe, une trilogie qu'elle a qualifiée d'involontaire. Et en fait, Soif, elle considérait que c'était un peu comme le fils. Premier Sang comme le père et notamment son père. Et Psychopompe comme étant le Saint-Esprit et donc qui, comme je vous le disais, évoque son autobiographie, mais en tant qu'oiseau. Voilà, donc l'intervieweur expliquait que c'était un livre qui permettait vraiment de mieux comprendre les livres précédents. Oui, il voyait ce livre comme un lien en fait entre tous les précédents et qui permettait du coup de les relier et de mieux les comprendre. Voilà, alors après cette présentation, il y a eu le cocktail, donc où nous avons eu la chance d'échanger avec quelques auteurs. Donc c'est ce que je vous avais déjà dit pour l'un des auteurs, mais on a également pu rencontrer Amaury Berthet grâce à son éditrice, donc Lina Pinto, que je remercie encore une fois. On a vu Amélie Nothomb, enfin voilà, on a été là-bas, on a discuté avec elle. Alexandre Jardin, je vous en ai parlé. On a également vu Claire Bérest avec qui on a pu échanger quelques mots, etc. Clélia Renucci. Voilà, c'était magique, c'était magique. C'était un lundi, ce qui était très bizarre de commencer la semaine d'une façon aussi atypique. C'était une sorte de pause dans le temps, de sortie incroyable du quotidien. Ouais, c'était vraiment un moment très précieux et j'ai hâte de me plonger dans les livres, enfin de me plonger dans les livres, mais pour continuer ce moment en fait, qui était une merveilleuse entrée en matière au final. Donc comme je vous le disais, moi ce que j'imagine, c'est de commencer par l'épaisseur d'un cheveu. Mais alors bon, le sujet m'intéresse. L'autrice était totalement passionnée quand elle nous en a parlé et je connais quelqu'un qui l'a lu et qui a été totalement emporté. Donc voilà, ce livre m'intrigue. Voilà, ce livre m'intrigue et ça me plairait de commencer par celui-ci. Ensuite, donc je pense lire celui-ci après le diplôme. Voilà, comme je vous disais, le sujet me parle, etc. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que je sortirais moins de ma zone de confort avec celui-ci qu'avec le précédent. Et puis, j'imagine bien continuer avec Le Pavillon des oiseaux de Clélia Renucci. Et bien sûr, enfin là, je vous parle que de trois livres, mais bien évidemment, le frère d'Alexandre Jardin, il va être dans ma pile assez rapidement. Et puis, je continuerai. Je pense lire des livres de la rentrée littéraire de temps en temps. Et jusqu'à la sortie, donc j'ai 2 mois et demi. Et comme je ne peux pas les chroniquer tout de suite, ou en tout cas, ça n'aurait aucun intérêt de vous chroniquer un livre maintenant qui va sortir dans plus de 2 mois, donc je pense que je vais plutôt enregistrer des petits bouts de vidéo quand j'aurai lu le livre, quand il sera bien frais. Et je vais enregistrer comme ça plein de petits bouts de vidéo des livres que j'aurai lus. Et ensuite, paf, ça fera une vidéo que je vous mettrai au moment de la sortie. Alors ça va être des vidéos particulières puisque j'enregistrerai pas les mêmes jours, je serai pas habillée de la même façon, etc., etc. Mais voilà, ça peut être assez rigolo et pour les posts, je les rédigerai en avance, je pense. Pour les posts pour mon compte Instagram. Voilà, donc encore un énorme merci à l'équipe d'Albin Michel, un énorme merci à Adeline, un énorme merci à Lina, voilà pour la rencontre avec Amaury et voilà, c'était juste incroyable et je vais prolonger ça avec la lecture de ces livres de la rentrée littéraire très très inspirante.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait totalement par envie, par rapport à ce que moi j'aurais bien voulu voir justement avant la rentrée littéraire. Donc j'espère que ça vous a plu. Sachez que sur la chaîne YouTube d'Albin Michel, vous pouvez voir des petits bouts de vidéos qui ont été enregistrés pendant. Donc c'est pas un Facebook Live, c'est pas un replay, etc. C'est sous ce format-là, donc ça peut être très intéressant, notamment si là vous il y a des livres qui peuvent vous intéresser et vous les notez, vous voulez aller plus loin avant de vous préparer votre achat dans 2 mois et quelques et vous voulez aller plus loin, bah vous pouvez toujours aller regarder ces vidéos. Ça peut être ce que je vous ai fait n'est qu'un résumé, mais vous verrez la vraie parole dans ces vidéos-là. Mais voilà, moi c'est fait avec mon côté vraiment pas du tout pro, très amateur, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis ce qui m'intéresse bien sûr, c'est de savoir bah, ce qui vous tente. Voilà, qu'est-ce qui vous tente parmi toute cette rentrée littéraire qui est assez folle. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve bientôt.